peu connue en France, Nicole Théa était une véritable star au Royaume-Uni. Youtubeuse aux plus de 100 000 abonnés, la jeune femme est morte tragiquement samedi 11 juillet à seulement 24 ans. Enceinte de 8 mois, son bébé est lui aussi décédé. Sa disparition a été annoncée par ses proches sur Instagram. À tous les amis et les fans de Nicole, c'est avec beaucoup de tristesse que nous devons vous informer que Nicole et son fils, qu'elle est Boga souhaité appeler Rain, sont décédés samedi matin, paix. Après plusieurs jours de spéculation, Charles Merelsco. Oncle de la jeune femme a déclaré au Mail Online que sa nièce était morte d'Orsco. Une crise cardiaque massive. Cela Sco. Est produit à son domicile. Elle disait à son partenaire Coursco. Elle avait des douleurs dans la poitrine et dans le dos. A déclaré l'Orsco. Homme aux médias britanniques. Son petit ami Global Boga était présent au moment du drame et les secours ont tout tenté pour sauver la jeune femme. Cela nous a vraiment, vraiment bouleversés, a ajouté Charles Murray. Nicole Théa, qui aurait eu 25 ans le 29 juillet, documentait presque quotidiennement sa grossesse avec ses fans. Si la jeune femme avait souvent confié son excitation et son bonheur d'être enceinte, elle avait également parlé avec beaucoup de franchise des difficultés de la grossesse. Il y a quelques jours, Nicole Théa avait notamment confié éprouver des difficultés à respirer. Je suis tellement essoufflé 24 heures sur 24. Jourco. Et retrouvez cet article sur Gala Photo dièse 8211. Kate Middleton so chic dans les pas de Diana. Jessica Mulroney prête à écrire un livre sur Meghan Markle.